bienvenue sur vieuxplongeurs.com. Aujourd'hui, nous allons voir que parfois, c'est bien d'avoir un bouton. Avec la nouvelle lampe étanche sous-marine de la marque Scuba Pro, la Nova Light 850, un éclairage sous-marin robuste avec son corps en aluminium, pratique avec son bouton interrupteur métallique et puissante avec ses 850 lumens. Avec la gamme Nova, Scuba Pro vous propose une solution à chaque besoin d'éclairage sous-marin. La Nova 850 est une lampe classique, c'est-à-dire un format allongé, une longueur de 23 cm, le diamètre de la parabole c'est 43 mm, son poids c'est 510 g avec les piles. En parlant des piles, l'alimentation d'une Nova 850 se fait avec 3 piles type C, c'est-à-dire 3 piles LR14, que vous pouvez aisément remplacer par des batteries rechargeables si vous voulez être un petit peu plus éco-responsable. La Nova Light 850 a une puissance, une intensité lumineuse de 850 lumens, ce qui correspond à nos anciens halogènes à du 60 watts. C'est une correspondance, c'est pas une équivalence. Elle a 17 000 lux à 1 mètre, sa température de couleur c'est 4200 degrés Kelvin. Une fois de plus, son faisceau sort à 8 degrés, donc un faisceau concentré devant. Elle possède deux sécurisations spécifiques intéressantes dans cette gamme de produits-là. Une sécurisation de l'interrupteur, qui est un bouton en métal, et une sécurisation du corps du boîtier. La sécurisation du corps du boîtier, c'est une soupape de dégazage. Si vos batteries ou vos accus à l'intérieur de la lumène sont amenés à prendre l'eau et à dégazer, plutôt que d'avoir un risque d'explosion ou une concentration du gaz à l'intérieur qui permet plus d'ouvrir la lampe, la soupape ici dégaze et libère la pression à l'intérieur. L'interrupteur est également sécurisé pour le voyage ou pour le transport. Donc là ici, ma lumène ne fonctionne pas, ne s'éclaire pas. Pour la libérer, la désécuriser, je vais faire 5 appuis rapides. 1, 2, 3, 4, 5. Une petite LED bleue apparaît, ce qui me permet de vérifier que mon interrupteur est bien fonctionnel. Là, pour éclairer, j'appuie pendant une seconde et là, j'ai 850 lumens pendant 7 heures. Donc une grande autonomie à pleine puissance. Si je veux augmenter encore cette autonomie, je peux réduire l'intensité lumineuse, éclairer moins fort mais plus longtemps. Avec un seul appui sur le bouton. Donc ça sera assez facile d'utilisation puisqu'il suffit d'appuyer sur le bouton pour diminuer l'intensité lumineuse et pour éteindre, j'appuie une troisième fois. Je veux ranger ma lumène et rentrer à la maison pour changer les piles éventuellement. Je veux resécuriser mon interrupteur, j'appuie 5 fois d'affilée. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, j'ai un interrupteur qui est sécurisé, une lumène qui ne s'allume plus par accident. La Nova 850 est livrée avec une petite dragon textile équipée avec un mousqueton d'accrochage sur la stab. La lumène, la Nova, va être livrée également avec une boîte en EVA, c'est-à-dire une boîte rigide de protection qui permettra de ranger la lampe à l'intérieur. Ici, une petite notice qui est livrée avec, bien entendu, et là, vous pourrez ranger vos piles ou vos accus de rechange. Une dernière petit détail en termes de finition. C'est la protection de la tête de la lampe, donc il y a une protection caoutchouc qui protège la parabole, mais cette protection est équipée d'une petite casquette, une petite masquette ici en haut, qui va permettre, donc là je vais réactiver mon interrupteur, éclairer ma lampe, et là on va voir que le petit cache ici permet de limiter les phénomènes d'éblouissement, soit pour l'utilisateur, soit pour le binôme, donc je vais pouvoir éclairer sans éblouir les binômes, et sans m'éblouir moi-même. Par contre je vais bien profiter des couleurs pendant la plongée. 50% et là j'ai éteint ma lumène. La Nova Light est déclinée en gamme. Vous allez avoir également disponible une Nova 850 qui aura la même taille que la classique mais en version wide. L'éclairage wide, c'est un éclairage large avec un angle de sortie photo vidéo. Donc un éclairage qui va être diffus, très homogène, donc ça éclaire vraiment que de près et pas de loin. Par contre, un éclairage de près d'ambiance, je vais avoir quelque chose de très agréable. Si je fais de la photo vidéo, je n'aurai pas d'ombre portée sur mon sujet. Là, on voit que derrière, l'ombre de ma main est parfaitement claire, donc parfaitement lisible ou visible si je fais de la photo ou de la vidéo. Elle possède également un bouton qui permet de faire varier l'intensité lumineuse, éclairer moins fort mais plus longtemps. Et là, j'éteins ma Nova. Si vous êtes amateur d'éclairage plus compact, la Nova 850R, donc les versions compactes, donc sont des lampes beaucoup plus petites, beaucoup plus faciles à ranger, que vous allez pouvoir alimenter avec une batterie rechargeable 18650 ou avec deux batteries CR123 en fonction de votre choix d'éclairage. Donc là, même chose, là ici je vais avoir 850 lumens, 50%,
et ici je peux éteindre. Donc il faut savoir que toute la gamme Nova est déclinée donc, en éclairage Explo, en éclairage vidéo et en option Scuba Pro vous propose les batteries rechargeables et les chargeurs de batterie sur les 850R. Une Nova Light 850 ne peut s'acheter bien sûr que sur vieuxplongeant.com. Simple, pratique et puissante, la Nova Light 850 est un éclairage idéal pour la pratique de l'exploration sous-marine pour bien profiter des couleurs chatoyantes des fonds sous-marins. Merci pour votre écoute et à bientôt sur vieuxplongeant.com.